Salut, c'est Kelania et aujourd'hui, toujours dans Assassin's Creed, on va commencer le deuxième DLC, La Malédiction des Pharaons. Donc, on va aller à Thèbes. C'est où? C'est là. Tu veux aller à Thèbes? Mon bateau Bonjour est de de Thèbes, loin. oui. Bayek, ce message que je t'envoie est surtout un avertissement. 4 années ont passé depuis l'élimination de nos cibles, mais le credo ne nous laisse aucun répit. J'ai capturé un courrier dont le message évoquait un autre artefact, cette fois en Haute-Égypte. Agis sans tarder. Remets ce paquet à Merti. Elle tient un commerce aux environs de Louxor. Ce n'est pas une amie. Elle me doit un service. Bayek, je compte sur toi. Tu dois trouver cet artefact à tout prix. Ne laisse personne utiliser son pouvoir sur ceux que nous avons juré de protéger. Bienvenue. Bienvenue à Thèbes, mon frère. Tu as besoin d'un logis? D'un meilleur bouclier? D'un garde du corps? Qu'est-ce que c'est? Oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est la malédiction! Par la puissance de Ré, il a réussi à la ramener. Elle est stylée en tout cas. Tu n'es rien d'autre qu'une illusion. Ombre de Pharaon. Ces gens sont innocents. J'honore les dieux. Elle frappe fort pour une illusion. Je ne suis pas une proie Pourquoi facile. Les pharaons nous punissent? Qui t'a invoqué? Camon nous protège. Camon nous garde tous. Ouais, non, non, non. Ah, bah, je n'ai plus que quelques drachmes. Il y a bien pire que nous. S'abattra sur nous tous. Amon nous a abandonnés. Ah, ça y est. Quelqu'un s'est emparé de l'artefact. Il s'en sert pour faire revenir les morts. Je dois arrêter cette malédiction avant qu'elle fasse de Thèbes une nécropole. L'informateur d'Amunet se trouve près de Louxor. Nick Ellis, c'est Jerriot. Tu sais ce que cette malédiction a coûté à Thèbes? Sors en même temps. Et à moi-même. Je n'ai plus personne. Tu as toujours ton oncle, Soutek. Ah! Tu as survécu à la malédiction? Toute la ville de Thèbes va parler de toi. Veille à ce que ça ne soit pas le cas. Assez, Soutek. Bien sûr. Aucun Philakitai n'entendra parler de l'homme dont les yeux portent la mort. On m'a dit que tu m'aiderais. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qui t'a donné ça? La femme que tu appelles Aya. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Un artefact rare. Je crois qu'il est à l'origine de cette malédiction. Oh, vraiment? Il y a des rumeurs.
Une relique a été volée dans le tombeau d'un pharaon inconnu. Pour certains, c'est à cause de cette profanation que nous sommes maudits. Je dois la trouver. Il y a un marché noir ici, à Thèbes. Des enchères cachées, des transactions secrètes. Parle aux marchands près desquels ils en sauront plus. Dis à Aya que nous sommes quittes. Je m'en vais au sud. Cette malédiction ne me plaît guère. Et si j'ai d'autres questions ? Va voir Isidora, l'épouse divine d'Amon. Elle sera plus à même de comprendre cette malédiction. Telle vie sans douleur. Des joueurs, des grecs et des voleurs. Les informations procurées par Merti envoient Bayek au marché noir. Il y découvre un commerce florissant de reliques extraites de tombeaux. Voir un peu la carte. Ah, oh, c'est grand, hein. Si la relique a été volée dans le tombeau d'un pharaon, c'est une investigation. Je cherche quelque chose d'insolite, d'ancien. J'ai de quoi payer. Si tu cherches ce genre de babiole, va t'en voir Siamoun. Il a dans ses coffres ce qui se fait de mieux à Thèbes. C'est qui, Siamoun ? C'est tout ce que tu as. Pourtant, on m'a dit qu'on trouvait des objets provenant des tombeaux ici. Les reliques, ça ne rapporte plus rien, Neb. Les gens veulent surtout se protéger des malédictions. Ils veulent des scarabées, des amulettes. Où est-ce que je peux trouver un objet rare, doré, comme le soleil ? J'en ai de l'or. Tu veux quelque chose pour une femme ? Quoi que tu cherches, Neb, tu ne trouveras pas mieux à Thèbes. Oh ! Bienvenue, Séni. Ah, c'est lui. À l'échoppe de Siamoun. J'ai les marchandises les plus rares. Tu cherches quelque chose dans la grande ville de Thèbes ? Un objet provenant d'un tombeau. Un tel trésor vaut le contenu du tombeau d'un pharaon. Partons, Neb. Les soldats ne sont que des idiots, mais leurs épées sont tranchantes. Allez, viens. Peu de marchands acceptent de vendre à un étranger. Et pourquoi ça ? Tu es en plein cœur du marché noir. Si les reliques ne manquent pas, la confiance y est une denrée rare. Mais Siamoun est digne de la tienne. Au contraire des autres marchands. Certains pourraient chercher à profiter d'un homme qui vient de débarquer à Thèbes. Surtout s'il semble Je fortuné. Suis Pta. J'émerge des eaux silencieuses du Noun. Je me tiens sur la première colline. Mais tandis que je regarde l'abîme, je comprends ma vacuité. Et je pleure. Alors je vais m'accoupler à mon ombre et porter deux enfants, les cracher et les vomir. Plus qu'une médaille. Et c'est là. Bien sûr, c'était un piège. Aïe, aïe. Yeah,
Ah mince, je me suis trompé de bouton. Bien, reprenons où on en était. Je cherche un artefact volé dans l'un des tombeaux. Oh, cet artefact-là ? Oui, oui. Mais Irsu ne doit pas savoir que je t'ai parlé. Irsu ? Si je comprends bien, tu ne sais vraiment rien. Je sais comment égorger un homme avant qu'il puisse appeler au secours. Il y a des enchères. Très fermées. J'ai essayé d'y aller, mais je ne m'entends pas bien avec Irsu. Où est-ce que je peux trouver une invitation ? Taemet en a une. L'historienne, tu la connais. J'avais joué au dé avec elle pour essayer d'en gagner une. Nous jouons sur un toit, au nord d'ici. Oh, Parorus, c'est tout ce que je sais. Laisse-moi la vie. D'une bouse de scarabée, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi rejouer. Si je perds, je te donnerai le double. Mais je t'en prie. Je sais que tu as une invitation. Jouons là, d'accord? J'ai des pièces. Et si je veux garder mon invitation? Tu y as pensé? Ça m'étonnerait que tu en aies plus besoin que moi. S'il te plaît, ma mère est malade et elle aimerait tant que... Ton oncle ment mieux que toi. Qui a invité ce bandit? Il est avec toi. Je ne l'ai jamais vu. Gagné! Allez, paye, femme! Tu as triché! Comme tu l'as fait avec lui, bandit! Je le savais! Ah, baston! T'as engagé un garde, Taemet ? Non mais il triche là, le... Tu peux encore marcher. Sûrement pas, tricheuse. Et puis je t'aurais prévenu. Toi, t'as choisi le mauvais cheval. À la tête ! Hey, on te débarrasse de cet oiseau. Mais c'est bon. Alors lui. Voilà. Bonjour madame. J'ai déjà perdu tout mon argent. Neb. Bayek. Je ne veux pas d'argent. Mais des informations. Et ton invitation. Aux enchères d'Irsu. Tu as entendu ce que j'ai dit à ce crétin roux de Soutek? Mais ce gamin ne t'a pas sauvé la vie, Taemet. D'accord. De toute manière, je préfère m'en aller. Avec ces profanations et ces pharaons qui reviennent à la vie. Tu sais ce que vend Irsu? Quoi que ce soit, c'est ce qui a amené la malédiction. Écoute. Irsu est un escroc. Ses acolytes et lui ont trouvé le tombeau de Nefertiti et y ont volé quelque chose. Et elle veut le récupérer. Personne ne mérite plus la mort que ce scélérat, mais elle en a après nous tous. Mon invitation est dans ma villa, près de l'entrée de Karnak. Prends-la, si les dieux le veulent. Les dieux... Tu verras. J'ai une partie qui m'attend à l'autre bout de Thèbes. Que les dés soient avec toi, Bayek.
Moi, je cherchais l'invitation. Nous sommes dans la salle des deux vérités. Offre nos cœurs en jugement afin que l'on nous déclare Maak et Rou juste de voix. Peut-être que le bureau de Tahemet est en dessous. Ça vient du Mehen, le jeu du serpent, qui jouait avec Aya. Qu'est-ce qu'a dit Tahemet déjà ? Si les dieux le veulent. Ah, il va y avoir une énigme. Les dieux observent les scarabées. La chose a deux plumes. Le seigneur de Thèbes qui ne scie pas. Le chacal regarde le chacal. Sous la mâchoire, le scarabée doré répond ça. Les roues ? Peut-être que les statues pivotent. Dans la même direction. Oui, voilà. Ça a marché. Papyrus de l'Ancien Empire, concernant les mythes. Néfertiti et Akhenaton, c'est ainsi que Laton vivant et sa première épouse, la très belle, se détournèrent de l'hérésie du grand nombre. Ils fondèrent une ville resplendissante baignée par les rayons du disque solaire. Ils régnèrent sur les hommes et les créatures qui rampent, volent, nagent et marchent. Ils établirent pour l'éternité leur autorité sur les fidèles et la vie. Tahemet a enquêté sur l'origine. À l'orbe de Siwa. Combien de folies meurtrières va-t-il provoquer celui-là ? Je dois me dépêcher de rejoindre l'île avant que la relique soit vendue. Ça y est, on a tout fouillé ? Ah non, il y a des trucs à prendre. Alors, c'est quoi les trucs rouges, ça là? Malédiction de Pharaon. On va aller voir ce que c'est. C'est aux soldats de nous protéger. Ta naïveté fait peine à voir. Ce sont tous des bandits et des voleurs. Toi là-bas ! Ah ouais, là, il y a le modèle au-dessus.
Merde, j'ai raté. Aïe, 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 aïe. Ah non, non, pas le câlin. Oh, le câlin qui fait mal. Debout. Aïe, aïe. Oh, non. Aïe. Oups. Non, non, ça va être la mort, ça va être la mort, non. Et en plus, il marche dessus. Il faut un bateau. Bon, le gros, on ira lui chercher des noix plus tard. Quelque chose? Par une pomme à moitié mangée. Ce voleur ne manque pas d'humour. Des hommes de main.
Mais où sont les marchands qu'il devait protéger? Ça serait pas le petit requin, il avait une pomme tout à l'heure dans les mains. Quelqu'un était pressé de partir d'ici. On va récupérer ça. Ils ont fait des prisonniers. Celui-là est mort avant qu'on le fasse embarquer. Mais d'où venait-il? Peut-être de s'être jeté sur le fleuve. Les enchères étaient en cours. Quand les soldats sont arrivés, quelqu'un a profité de la confusion pour prendre la relique. Mais qui? Un soldat ou quelqu'un d'autre? Ils ont tué les gardes du corps et ont capturé les marchands avant de les emmener au sanctuaire d'Hatshepsut de l'autre côté du fleuve. Quoi qu'il en soit, c'est là que mène la piste de la relique. Disons de millions d'années, le cinématrice c'est une patrie. Ouais. Nécropole de Thèbes. Il y a un trésor. Là, il y a un deuxième trésor. Je vais passer par en haut si je peux. Thank you.
même pas ce que j'ai là. Alors, il y a deux capitaines et un commandant. Ah, il m'a vu, putain. Voilà, eux c'est réglé. L'ombre d'un pharaon est apparu. C'est ça. Arrête de bouger. Ah merde, raté. Ah oui, c'est bon. Les merdes. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Quoi?
Faut aller en dessous. Ati duayo, Jessem, Mahanahet, Wait Amun Wahasu. Nadiu, stood here. وإيه جسد إيبي بشيت شو مسود Oh, mais je les ai trouvés les marchands capturés. Personne ne nous aura aujourd'hui. Oh, par tous les dieux. Mais d'où ? Tu te prends pour un génie, pas vrai ? Hein ? Hey !
Ouais, il y en a un qui m'a vu. Allez, amène-toi. Bon, le commandant, c'est bon. Ce pétage de nez contre le pilier. Cette relique, elle me revenait. Le capitaine, c'est bon. De droit, ce maudit gamin a causé ma ruine. Jackpot! Ah, il n'y a que Picsou qui peut marcher sur de l'or. Hein. Ah, du graphite, super. Mais vas-y, passe de l'autre côté. Ça c'est bon. Allez, marchand. Oh.
Travail d'équipe. Est-ce que j'aurais zappé un truc? Non. J'espère que c'est pas encore buggé. Mais je vais sortir du temps pour voir si ça fait quelque chose. Le mec qui dort quand même sur de la paille à côté des jarres qui prennent feu. Hein. Voilà. Bon, est-ce que j'aurais pas oublié un marchand? Là, il n'y a rien.
Ah, il y a un truc jaune là-bas. Ah bah ils sont là. Je n'ai plus l'objet. Laisse-moi. Où est l'artefact? Je suis assis dessus. Ne me provoque pas. Mon crétin ne veut la voler. Mais où est le tombeau? Il n'en sait rien. Toi, tu le sais. Demande aux autres. Eux, ils savent vous chercher. Qui sont les autres? Avec qui tu travailles? Tu veux me rendre service? Alors tue-moi. De toute manière, je suis fini. Non. Hé, hey, ton neveu, où il est allé, hein? Mes hommes l'ont pourchassé à l'ouest du lieu des enchères. J'aurais dû le tuer avec ses plans. Il voulait me livrer. Alors, est-ce qu'on l'assassine ou pas? Ouais, je vous avais dit, c'était le requin. Fiche-moi la paix, toi. Il est pas mort en plus. Bon, on va monter. Il est là-bas. On a tout notre temps, tu sais. Donne la relique et on te fera une... Voilà. Oust. Va-t'en. Y'a qui là-dedans? Personne.
Rien que les morts. Tu es bien bruyant pour un esprit. Tu es le voleur des enchères que tout le monde recherche. Qui ça, moi? Quelles enchères? Je crois que le soleil du désert t'a tapé sur la tête, Neb. Il fait nuit. Je vais trouver une entrée et on va discuter. Non! Va-t'en! Les mêmes empreintes qu'aux enchères. Le neveu d'Irsou. Tu es le gamin que j'ai vu sur les quais, Soutek. Non. Si, enfin... je ne suis rien, ni personne. T'es qui, toi? Bayek. Je t'en prie, laisse-moi cet objet. C'est ma mère, elle... Tes parents sont morts. À cause de ça. Et si je peux le remettre dans son tombeau, Nefertiti ne fera plus jamais de mal à personne. Pourquoi tu ne l'as pas fait, alors? Mon oncle, cette crapule, ne m'a pas dit où il était. Il est mort. Que Ré éclaire son passage. Donne-le-moi. Je vais m'en occuper. Pourquoi? Tu n'as rien perdu. Rien. J'étais un Medjay, un mari, un père. J'ai parcouru la moitié de l'Égypte pour verser le sang de ceux qui m'ont tout pris. Tout ça à cause d'une relique comme celle-ci. Prends-la. Prends-la. Je te crois. Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'attendais à autre chose. Tu as promis. Le tombeau se trouve à l'ouest du chemin principal, dans la vallée. Je croyais que tu ne savais pas où il était. C'est le tombeau de son architecte. J'y suis resté coincé une éternité. J'ai fini par comprendre. Il y a peut-être encore des sbires de mon oncle, mais je connais une autre sortie. Tu te souviens de ta promesse ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Trouver du travail et éviter les ennuis. Pourquoi est-ce que je n'en crois pas un mot? Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors... ce que je vais faire, je vais synchroniser là. Thank you.
Bon, on va rejoindre le tombeau de Nefertiti. Oh, il y a un nouveau truc. Flèche perforante. Et tiens. Ah, c'est bien ça. Flèche à toxine. Ça aussi, c'est bien. Et ça, c'est quoi? Ah, mais j'utilise pas l'arc léger, donc plus de vitesse. Adrénaline. Dans l'au-delà, il faut récupérer des flèches, des outils au fil du temps. On prend celui-là. Ça, ça pourrait être intéressant vu que j'utilise l'arc de prédateur. Et ça aussi. Alors, équipement.